Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir. Vous avec vous pour notre numéro mise au point. Maintenant, après, retourner sous on dit disparition. Photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Depuis plus passé 10 jours, famille, proche Lio, collègue Lio, corporation, pas de nouvelles de Vladimir. Vladimir a souligné, 14 mars, il a réalisé un reportage dans un quartier dans votre pression. On a parlé de Grand Ravine. Il a plus passé 10 jours, et qui ça nous capable de dire, qui Jean Satéye, pour qui ça était prêt direction Grand Ravine pour reportage ça. Et qui sa motivation était exactement, qui dernier nouvelle, peut-être mon qui proche, tu as dû gagner, la paille de madame ni. Et c'est quelque part pour nous aborder dans l'émission jeudi. Et nous gagnons et plaisir de recevoir. C'est vrai, dans une situation assez difficile. Madame et Vladimir Le Gagneur, Fleurette Guerrier Le Gagneur, qui est avec nous en studio pour nous faire mise au point ça. Madame Le Gagneur, c'est un plaisir pour nous recevoir en terre. Et moi, merci à nous tous parce que nous permettent que nous sommes capables là pour continuer à passer ce message-là. Parfait. Vous êtes avec Vladimir, nous mariés? Oui, nous mariés. Depuis combien de temps? Nous faisons fêter un an de mariage. Nous. Un an de mariage, ok. Maintenant, nous ne sommes pas évolués dans le même secteur? Non. Alors, nous fêtons un an de mariage, nous marions tout le monde. Nous votre cogné. Nous cogné tout le monde, parfait. Alors, Vladimir Le Gagneur, il était toujours un journaliste. Oui, il a évolué dans le système non, environ 5 ans. Depuis 5 ans. Là, tu as rencontré le docteur et beaucoup de médias. Là, tu as rencontré, il était dans le cours de photographie. Et puis, au fur et à mesure, il était venu à travailler pour le matin. Ensuite, dernier côté que a travaillé, c'était pour Loop News. Le contrat était venu finir en juillet 2017. Et après juillet 2017, M. Paté dans les médias. Il était sûrement à travailler pour contre lui. Comme pigiste, bien freelance. Enfin. Mais au fait, l'information est venue depuis 14 mars, M. Degon, reportage, vous avez fait gravine, n'est-ce pas? Maintenant, qui genre, puisque pas dans les médias, il n'y a pas de médias à côté de travail pour lui, et on dit directement, côté nouvelle, ça sorti, côté le travail, ça, vous avez fait gravine, mais c'est une décision personnelle que le départ, vous avez monté en haut pour faire le reportage. Normalement, depuis le contrat de financement avec Loop News, donc vous connaissez que en tant que photographe et même pour monde qui a fait vidéo et tout, y a toujours à chercher depuis qu'on côté de l'actualité, y a toujours à chercher pour être capable augmenter un chiffre. Donc c'était un objectif ça qui fait que j'ai monté en Gravine parce que j'ai reçu un appel le mardi et puis j'ai planifié rendez-vous pour mercredi pour que j'ai fait un reportage là. Donc, ce n'est pas pour les médias exactement, mais c'était seulement pour Chivli que lui connaît que ça capable est utile à l'avenir pour informer la population. Alors, c'est une décision personnelle? Oui, oui. Maintenant, vous avez reçu un appel. Qu'est-ce que c'est l'appel ça? Bon, ça, je ne connais pas. Sauf que je suis enterré les lits et c'est par la suite que je devine pour rendez-vous pour mercredi à 10h. Mais au fait, le lap quitté mercredi matin, et qui ça le dit? Bon, l'idée dit que bon, j'ai que me connais depuis le mardi et que il peut aller dans rendez-vous hein? Et donc à midi, moi je suis capable de briller les 2h tout parce que nous connaissons que en gens difficile. Donc je suis capable de briller souvent et en plus il y a le travail. Donc nous t'attendons pour que me t'aller là à midi et à 2h. Mais pas de inquiétude avant d'aller, non, côté exprimé, non? Oui, bon. Si on dit que le gravine, c'est sûr qu'il y a plus d'inquiétude. Je n'étais pas ensemble avec lui, mais malgré ça, il était vraiment déterminé. Il était bon, ami le tout. Il n'est pas ensemble avec les amis, il dit que c'est le pour aller. Il a fait tout point impossible de dissuader d'y aller, mais malgré ça, il était allé quand même. Alors, il était là quand il est? Il était avant 9h. Et pendant tout. Qui moyen de locomotion, les deux l'ont utilisé pour le rentrer dans la ville? Bon, vu distance par rapport à Kamoué et Gravine, c'est sur la machine, mais le cas plus pour moto parce que les pyramides et circuler non, un véhicule qui est capable de mener plus rapide. Mais quel Paul te fait comprendre que c'est ton média international qui te souhaite des informations sur Jean Réalité et jeudi à Gravine et utiliser ce service, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Sauf que lui-même, depuis longtemps, il était toujours croyant que même si Gravine gagne tout. Et côté négatif, c'est ça que nous-mêmes nous sommes, mais nous sommes capables de joindre un côté positif. Il est toujours quoi ça. Est-ce que vous êtes habitué à faire des reportages dans de l'autre quartier populaire? Oui, il est habitué à travailler Cité Soleil et autres.
Alors, c'est ma premier reportage que je vais faire dans le quartier populaire. Non. Parfait. Mais puisque c'est madame, nous, c'est mon petit proche, lui. Et là, dans le quartier populaire, qu'on partage avec vous, réalité, est-ce que vous avez une hostilité, obstacle, non à... Oui, c'est toujours difficile parce que nous connaissons ça difficile et là que ou même ou c'est un photographe ou pas prendre des images donc toujours cibler tout toujours joindre des monde qui a bon pression tout ça lui qu'on partage ça ensemble avec moi mais quand même c'est risque métier. Est-ce que c'est la première fois monsieur Naval Gravine? Non, lui habituel Gravine déjà. L'habituel fait reportage bon. Bon, est-ce que nous capable de dire reportage mais lui qu'on allait toujours dans le cadre de métier lui en tant que journaliste. Maintenant, pendant la journée, combien de fois parlez-vous le 14 mars? 14 mars, je suis allé environ midi 15 heures. Et que moi, je suis un peu sous pression, mais normalement, il y a des côtés de là, le travail, toujours comme ça. Et que l'été dit que en forme de manger, et sauf que l'été j'ai occupé. Donc, moi, j'étais confirmé avec lui, est-ce que je suis toujours allé là 2 heures? Parce que c'était en tête de ça, il dit oui, je suis allé là 2 heures. Puis c'est là, depuis 2 heures, je suis allé, le téléphone est sonné jusqu'à ce qu'il va me sonner encore. Depuis 2 heures. Mais dans le moment où tu es là, comment tu es senti bien senti et tu n'as pas parlé avec le téléphone là. Bon, je suis senti que l'idée était sous pression. Je ne connais pas si c'est le travail que tu as fait, l'idée voulait faire bien, vite pour le capable de finir, ou bien si c'est pression que tu as pris, je ne connais. Mais sauf que je suis senti que l'idée était sous pression et tu voulais vite finir par l'ensemble avec moi. Lors de l'offre de midi jusqu'à moment où on a parlé, on va jamais t'attendre encore. Bah, j'aime t'attendre encore. Maintenant, on dit après 2 heures, on essaye le téléphone a sonné sans réponse. Oui, téléphone a commencé à sonner sans réponse jusqu'à ce que les bagages me sonnent encore. Va sonner encore. Mais pas aucun autre monde qui entre temps et il est où? Non. C'est moi qui t'ai commencé à faire des marches auprès de amis, de mon boss qui était capable d'aider, mon qui dans zone tout ça, mais ben j'ai pas arrivé, je n'ai pas une réponse vraiment. Vous dites mon qui dans zone là, vous dites que mon nous connaît dans zone là? Pas moi même vraiment, mais moi chercher des monde qui capable peut-être des amis ou famille qui habitent dans zone ouest, c'était capable ben moi des informations, mais qui était en vain. Maintenant, à partir de qui l'ont commencé à sentir bah, la part difficile pour Vladimir, pour t'as fait des massages, ou dit là. Bon, depuis Nassoué, bon, depuis 2 heures, l'homme a commencé à inquiéter, mais Nassoué, ça a été empiré parce que ce n'est pas habitué lui, et vu en droit, il n'est pas allé pour le faire un paquet de temps. Et depuis le sorti, tout le temps, tout fait me connaître parce qu'il connaît que je m'inquiète. Donc, dès que moi, il commence à faire normal, pas venir, je commence à parler des gens, que je pense qu'il était capable d'aider moi. J'ai une information, mais bah, je n'ai pas arrivé jeune. À partir de qui, on a décidé pour alerter la police? Bon, après tout, parce que je voulais faire toutes les démarches, aller à l'hôpital, aller à la morgue, sur le commissariat, pour voir si ce n'est pas une côté saleté. Bon, là, moi, je n'ai pas j'aime un résultat, donc le 16, je suis obligé à déposer une plainte de disparition dans des CPJ. Le 16 mars? Oui, 16 mars. Okay, alors, tu fais toute journée 15 ans à regarder, à monter des sons à l'hôpital? Oui. Et si c'est pas vrai, c'est pas monsieur. Maintenant, est-ce qu'on va parler avec des collègues qui habituent à travailler près avec qui t'a carré bon quelques données sur gens qui ont passé généralement les journalistes dans le quartier populaire? Bon, moi j'ai parlé ensemble avec quelques, mais pas vraiment gagné une information qui était capable de dire c'est ça. L'arrivée de CPJ, ça veut dire? Bon, je prends une plainte là, et puis je dis que après l'ouvrir une enquête. Et dernière fois, je me parlé ensemble avec mon qui était pas plainte là, il était dit que enquête là poursuit. Alors, de 16 mars à jeudi, qui ça qui fait concrètement? Est-ce que et déjà la police contacté ou est-ce que vous parlez avec vous? Est-ce que vous êtes à quel niveau enquête là, madame Le Gagneur? Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas jamais le même, sauf que j'ai l'autre organisation et. Et groupement journaliste qui a pas un bon support, mais en ce qui a trait à DCPJ, non, il y a beaucoup de gens. Mais vous faites de 14 à jeudi, qui sont dit tout par rapport avec ce qui s'est passé? Bon, c'est que même disparaît jusqu'à présent, les autorités ont beaucoup de gens dit rien. Donc, moi, je crois qu'il y a des choses quand même parce que c'est quand même. C'est travail, l'engin de casse pour que yo intervenu. Donc, moi, je crois qu'il y a un travail. Si yo pas dit rien, c'est parce que y a travail. Donc, je prétends que yo dit mon bagage. Mais en tout cas, il y a plus de parole. Parlez, vous allez où tout?
qui ont apprécié tout ça qu'a dit là. Et par exemple, des radios qui devaient ouvrir les lignes pour des riverains de Gravine intervenus, qui parlent pile parole. Bon, moi, j'ai toujours considéré ça comme des rumeurs qui font mon mal quand même. Même considéré autant que rumeur parce que l'autorité ou pourquoi j'aime dire un bagage officiel sous disparition. Donc pour moi, c'est que des rumeurs jusqu'à ce que l'autorité ou dise un bagage. Il y a un monde qui même parlé que Vladimir était un cas d'accréditation et institution publique, une approche qui non, c'est pas vrai? Bon, normalement, en tant que journaliste, tout le temps travaille pour l'Europe le matin, dès que y a une activité, lycée journaliste, donc depuis gagné et code d'accréditation, il est toujours gagné tout. Donc quand ça y est, par exemple, il a toujours été nommé journaliste. Donc c'est sûr qu'il était capable de gagner quelques cartes nommées parce qu'il a une valise qui toujours gagne matériel travail. Ça veut dire toujours prêt dès qu'il dit tel côté qu'on activité, la lettre passée pour valise là. Donc peut-être qu'il était doit gagner quelques cartes comme ça sous lui. Maintenant, il y a un monde qui t'a demandé, Mme Le Gagnon, pour que ça c'est dans le moment ça, la dignité est décidée à réaliser un reportage ça. Normalement, il n'y a pas de travail, mais depuis que l'activité est toujours à couvrir, même si ce n'est pas pour un média, mais pour archiver. Donc, dès qu'il a reçu l'appel, il a eu une rendez-vous, donc il a eu une opportunité pour être capable de donner une formation en plus pour la population. Alors, c'est lui qui a fait des marches bon côté mon acteur là, mais c'est mon qui a décidé pour l'allemand en haut. Bon, normalement c'est mon acteur là parce que le matin il pas de gain, il a se sortir mais pas pour le temps il faut reportage quelconque. De clair qu'il était venu recevoir appel là et puis dans un dialogue il vient gain rendez-vous et puis c'est par la suite il peut faire reportage. Où t'es là dans le moment t'as pas la monna? Moi, je suis là, mais je ne suis pas trop focus parce que toujours il y a des gens qui apprennent les mais c'est là que je dis que les gens qui apprennent les livres, ils font un reportage. Donc là, je commencé un petit peu inquiet, vu que je connais une zone côté que je peux aller. Hein. Mais je ne suis pas trop suivre la conversation parce que ce n'est pas la première fois que je apprends les Mais comment est-ce que tu as quitté Kala ou tu es un monde qui est déterminé? Vous voyez, qui était paré pour le faire, super motivé pour le travail là? Dès que ça, ces photos qu'il pourra faire, ou bien vidéo, pour depuis le rapport à travail, il est toujours motivé. Et il est difficile pour dire Vladimir parle de mon côté, dès que ces photos pourra faire, parce que il aime ça, il est passionné, passionné de ça. Passionné de job là, de métier. Maintenant, je veux dire là, vous passez ou alors le CPJ ou vous déposez plainte et la police a mené enquête. D'ailleurs, il y a même un autre ministère de culture à communication et qui portait solidarité là à la famille et qui précisait tout, qui portait solidarité à ensemble de membres de la corporation. Il a souligné que il y a une enquête la police avec la justice a mené de telle sorte que lumière capable faite sous le César. Qui ça ou autant faire en termes d'étape, de l'autre étape, pour ta permettre que effectivement lumière et qui franchit, qui fait pour qu'on ait qui ça va diviser, qui côté lié et pour ta rejoindre, Madame Le Gagnon. Bon, normalement, bon côté PAM, bon côté collègues, amis, famille, tout ça, nous-mêmes, malgré nous, déposer plainte de CPJ, mais bon côté PAM, nous avons continué à faire des enquêtes. Mais sauf que nous pas qu'à jambé tête autorité pour dire que nous pouvons faire un bagage, nous pouvons déclarer soit vivant, soit mourir, nous pas capable. Donc c'est autorité même qui peut dire un bagage dans ce sens ça. Donc nous même c'est vrai, nous devons attendre des rumeurs par rapport à la recherche que nous avons fait, mais nous pas qu'à chiter sur rumeurs ça pour nous dire que lui vivant ou pas vivant, ou bien ça qui t'a arrivé, parce que ça c'est pas rôle nous, c'est rôle autorité. Donc nous attendons autorité pour que nous même nous disions un bagage sur ça. Vous ne connaissez pas quelqu'un dans la communauté ça, dans la ville, non? Non, sauf que je ne connais pas quelqu'un qui habite là, mais je ne connais pas celle-là habité. Ok. Mais vous dites que vous avez des talents à des gens qui avaient une nouvelle ou une idée de est-ce que vous avez remarqué quelqu'un dans la journaliste, Vladimir dans la zone? Oui, moi j'ai contacté un peu de monde, mais c'est sûr, même si vous avez des informations, fixez toujours comme la prudent dans ce que vous avez dit, parce que si vous habitez dans la zone quand même, il ne peut pas le mettre ville en danger. Donc. Qui est-ce que vous mettez? Moi, c'est que l'émission est trop petite pour expliquer à que Vladimir lié lui-même. Parce que ils sont des gens qui
qui passe en pile misère, mais malgré misère, elle a toujours été un héros, un modèle pour les jeunes. Elle m'a toujours dit et que, vu l'histoire li, depuis le tout petit jusqu'à jeune jeudi, elle a fait un livre pour nous quitter pour les jeunes, parce qu'ils sont exemples, on a toujours dit ça, parce que malgré misère, elle était toujours marché tête haute. Et Vladimir pas besoin, il a besoin de musique pour que l'été enjoy malgré problème. Donc ils sont monde depuis le côté ou pas capable content même si lui-même il a un problème. Et dès que la font bagarre, il toujours mettait toute la donne pour que l'y fait. Et surtout s'il connaît que lui peut aider et communauté aider et pays li, parce que ils sont qui aiment pays l'empile même si nous connaît difficulté que jeune a traversé dans pays mais il était toujours aimé pays il était toujours tiens que lui font bagay pour pays et surtout des jeunes qui peut-être par frustration a fait des bagay qui drôle qui fait l'homme souffrir mais lui-même il était toujours un jeune sérieux il bagay positif qui capable sortir et de à changer de l'homme on a changé tout donc gros c'est mon sable à Jimmy. Quel âge monsieur Degan? 30 ans. Je fais tant qu'il moi. Il fait 25 décembre. Alors, il va le 30 ans, ça? Non, il va le 31 ans. 31 ans, 25 décembre. Ok, alors là maintenant, et je vous dis à la message, là, c'est qui ça le tadoué là? Bon, message, c'est plus à autorité, parce que je dis, ça fait 14 jours depuis que ma mère disparaît. Donc, pourquoi je me dis rien? Et il y a toute la famille. Collègues, amis et même mon qui pas connaît Vladimir a souffert de disparition donc moi c'est que autorité au gain pour dire pour que malgré ça pas retirer souffrance là mais au moins il y a connaît exactement qui s'est passé de disparition ça. Maintenant là on a rempli sollicitation puis on a demandé pour parler pour expliquer ça qui t'est passé exactement comment l'histoire a été arrivée jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, est-ce que entre temps, vous continuez à faire des contacts serrés avec la police? Oui, oui. Dernière fois, parler avec l'autorité de la police. Bon, moi, pas vraiment parler ensemble avec eux, mais mon qui était enquête là, moi, qu'on parle ensemble avec lui, mais il toujours dit enquête là peut poursuivre. Il va avancer avec lui. Et là, et par rapport avec de collègues journalistes, on a des initiatives qui prennent du genre et marche pour en guise de solidarité à la famille, mais tout. Vous demandez pour que des lumières qui fêtent et pressé sous cas, sous disparition. Ou protocole toi qui initiative ça? Ben oui, dès que c'est une initiative qui permet de joindre une réponse à la disparition Marie, moi prêt. Et je remercie tout le monde qui prend ça à cœur, qui a supporté moi, pas des gens qui ont supporté moi. Donc ça lui vraiment touché moi. Et ben c'est que n'a pas arrivé à joindre une réponse avec ça que nous avons cherché. Alors déjà, il peut se passer 10 jours. Hein, depuis, oui, je dis, il fait 14 jours. 14 jours depuis Vladimir est quitté. Elle fait un reportage ça, au niveau Gravine. Il y a un quartier dans Port-au-Prince. Jusqu'à présent, beaucoup de nouvelles de Vladimir. Et au fait, Mme Nissot souligne pour nous là depuis un jour. Après, elle finit par parler avec lui vers midi. Deux heures, elle doit parler avec lui. Mais malheureusement, depuis le Sahara. Donc, pour mettre un téléphone, sonner sa réponse, et après, le téléphone est fermé. Selon ça, le souligner pour nous. Et jusqu'à jeudi, il n'y a pas de nouvelles de Vladimir Le Gagnon. Et là, le message là, c'est demandé pour que les lumières qui fassent ces questions. Hein, et la police, avec la justice, j'ai un ministère de la communication, a pris de préciser dans notre plan. Il y a mené une enquête approfondie, de telle sorte que les lumières sont capables de faire, et le gouvernement et renouveler l'engagement pour que la liberté presse garantie et l'idée pour établir, n'est-ce pas vrai, un état de droit d'un pays. Hein. Et là, et Mme Le Gagnon, vraiment, on souhaite un pile courage. On souhaite tout, effectivement, autorité au pral avancer pour que lumière faite sur question. Hein, et puis, pour que nous ayons des nouvelles, pourquoi pas, de Vladimir, pour connaître exactement qui sa réalité a été. Mais au fait, à côté de ça, peut-être dans la radio, mon caprile dans la radio qui dit que c'est grave. Pas de monde comme ça, tout qui contacte, qui est là, qui voulait partager l'information avant, non? Pas directement, mais par le biais de quelques amis, des gens qui disent mais ça attendait. Mais juste à présent, toujours Québec sous base de rumeurs. Parce que pas grand qui prouve ça. Pas grand de concret. Pas des photos que tu as montré, des choses comme ça, non? Non.
vous avez si c'est Vladimir, vous connaissez est-ce que l'hôtelier exactement dans le moment où on a parlé là. Non. Non. En tout cas, mais vous prenez le message à nous pour le monde qui a regardé là. Eh bien, le message c'est de lancer l'autorité pour que vous ayez une explication de disparition. C'est parce que vous avez toute la population nationale ou internationale qui a souffert de disparition. C'est donc qui a besoin d'une parole, qui a besoin d'une réponse. Donc, n'a lutté jusqu'à ce que nous ayons une réponse de disparition, Vladimir ou le gagnant. Donc, en gros, c'est ça le message pour moi. Eh bien, monsieur Pile, madame le gagnant, si vous avez un contact, vous avez des gens de proches, des numéros, vous les quittez, non? Oui, je peux toujours avoir un numéro en privé. En privé. Mm-hmm. Parfait. Merci à vous, bon courage et puis toute solidarité équipe télévision avec les familles Le Gagnant même particulièrement et nous souhaiter un avenir qui pas trop loin qu'il y ait des lumières qui fait et vous nous connaissez exactement et côté Vladimir Le Gagnant et c'est le faux monde à retrouver le permettre que nous rejoignons les familles pour continuer et faire travailler en bonne et due forme. Merci beaucoup parce que vous te permettre que moi continue à faire passer message et merci tout pour le support. Parce que c'était un journaliste, même si avec eux, même s'il n'a pas fait exactement le même travail là, mais il était contribué dans le travail ça que nous avons fait. Donc, merci beaucoup d'être que tu reçu moi. Sans plaisir. Voilà, madame Fleurette Le Gagneur qui est avec nous dans la première partie de l'émission ça pour nous retourner sur l'histoire qui a entouré la disparition. Et confrère nous, Vladimir Le Gagneur, 31 ans, hein, bientôt 31 ans, hein, je l'avais fait le 25 décembre. Et là, et depuis plus de 10 jours, la famille approche. Il n'y a pas de nouvelles de lui. Il était sorti mercredi 14 mars. Il était pris en direction de Gravine. J'ai madame Miso souligné dans le cadre d'un reportage. Et depuis lors, pas de nouvelles. Et là, le message là, c'est demandé pour qu'il y ait une lumière qui fête sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. On a rappelé et gagné ensemble d'organisations nationales ou internationales qui prêtaient solidarité à famille et qui ont même tout demandé pour que lumière fête. Et hier, le ministère de Culture et Communication a annoncé dans le cadre d'une note pour la presse une disposition pour que la police et la justice enquêtent, mènent enquête de manière approfondie pour que avant longtemps nous connaissions exactement de quoi il en est. La parole observe mon pose Hector. L'abtonner. Un groupe journaliste qui est en podium, en plateforme, qui est des médias info plus, qui a parlé pour organiser demain une marche en silence avec des messages clairs et messages calés dans le sens pour demander une lumière qui fait. Je vous souhaite une membre des médias info, Anne-Marguerite Auguste, qui est d'ailleurs collaboratrice ici à la télévision nationale d'Haïti, qui parle de nous plus d'explications sur l'initiative ça, motivation, messages qui sont liés. Qui j'en sais pas le fait, qui moun gen doit participer dans la marche là et qui ça ou après tant de activités. Anne-Marguerite Auguste, bonjour, bienvenue dans la mise au point matin. Bonjour, Déhi, nous disons merci parce que vous recevez nos matins dans l'émission ça. Parfait. Alors, les noms et groupe journaliste pour l'initiative, c'est qui est-ce? C'est Média Info Plus qui gagne, j'en souviens tout à l'heure, c'est une plateforme côté qui gagne en pile journaliste qui regroupe la TANI, côté nous qu'on a partagé des informations, mais tout côté nous qu'on prend des initiatives, le yon nan nou gagne un problème. Donc, le nous dit yon nan nou n'est pas obligé en dans la plateforme nan. Donc, depuis c'est un journaliste qui a attaqué, nous tous nous sentons concernés. Donc, c'est à partir de là, nous prenons des décisions, nous prenons initiatives pour nous porter solidarité nous façon par nous et c'est dans ce sens ça groupe Média Info Plus a organisé une marche demain mercredi a. Donc c'est une marche en silence côté n'a pas sorti sous place Constitution a. Nous praler premièrement devant le ministère de la Justice côté gagnon nanon cap délivrer un message devant le ministère là qui pour demander ministère de la Justice pour prendre responsabilité li dans dossier ça. Ensuite n'a pour casser tête tourner pour nous passer et sous champ de masse pour nous arriver devant GILAP. GILAP c'est une organisation droit monde pour nous dire et que pour même tout pour capable prendre décision faire solidarité pour permettre gagner lumière gagner information vraie qui baille sous disparition journaliste là sorti devant GILAP n'a mettez tête nous descendons toujours n'a privé devant paquet et c'est là nous pour délivrer gros message là côté pour nous non seulement pour nous c'est toujours même la justice mais nous considérer le temps
voyer message par gouvernement pour nous dire gouvernement que eh bien c'en est trop parce que journaliste c'est un nous t'a capable de considérer comme une personnalité universelle, une personnalité qui est neutre dans tout ce qui a passé. Donc couyo trop dur pour nous, nous pas capable de temps en temps à enregistrer cas journaliste soit cap disparaître dans condition que monde pas comprendre ou du moins cap mourir dans exercice fonction yo ou bien cap attaquer dans exercice fonction yo. Donc c'est dans sens ça n'a fait marche ça qui on marche cap en silence, on marche pacifique côté tout journaliste invité. Donc c'est journaliste seulement ensemble avec groupe K2D. Donc c'est eux même cap accompagner nous ensemble avec journaliste qui fait partie associé photographe haïtien. Alors, on dit marcher en silence, pour qui ça nous choisit marcher en silence? Parce que nous choisissons marcher en silence, nous pensons les messages que nous avons pour nous délivrer, dans moment, son moment de tristesse, ni pour famille, ni pour amis, ni pour proches collaborateurs. Donc, c'est pour marcher côté, nous pourrons faire passer des revendications, ou du moins, nous pourrons faire passer une série de bagailles, mais son marche pour nous exprimer que casser nous, pour nous exprimer inquiétude nous, face à la disparition journaliste là, nous estimer, nous choisir trois points clés qui c'est la justice, organisation droit monde, ensemble avec paquet de Port-au-Prince. Nous pensons trois points clés ça y a suffi pour nous bailler message que nous besoin bas là pour permettre au moins lumière faite sous disparition ou bien pour permettre journaliste là si toutefois ligne. Bon, nous pas dit c'est toutefois son disparition jusqu'à présent qui était donc qui capable aider famille retrouver li Jean madame ni saute parler là ensemble avec en pile tristesse au senti qui douleur qu'a traversé. Donc ça veut dire nous même nous prenons initiative ça pour permettre li gagner une réponse qui claire, une réponse qui et que li capable faire confiance, que une réponse qui gagne vérité la donne. Qui pour dire que, mais qui ça qui arrive journaliste là, est-ce que nous avons retrouvé, est-ce que nous n'avons pas retrouvé? Nous avons sorti sur place Constitution et nous avons passé devant le ministère de la Justice, nous avons descendu le GILAP, nous avons fini devant le parquet de Port-au-Prince. Alors là, tout est-ce que ce ça qu'on arrive dans la démarche et des manifestations et puis de l'autre groupe qui profitait de ça pour que nous fassions passer notre message, notre revendication, qui dispositionne à niveau par nous propres pour que. Attention, tout focus ça c'est sous message il y a disparition journaliste Vladimir Le Gagnant. Disposition, nous pensons que nous déjà soumettons et plan marche par la police qui bien pour accompagner nous et nous fait message passer tout sur les réseaux sociaux pour nous dire que c'est ça c'est engagement journaliste envers journaliste. Il y a un journaliste qui a un problème, nous même nous prenons initiative par nous. Si un monde peut-être voulez faire passer un autre message, des médias yo là que vous connaissez comment pour faire passer message, mais pendant match nous même journalistes n'a organisé à nous pas tolérer aucun autre secteur vienne entrer dans mitan pour faire passer. Si toutefois tu as un secteur qui a fait turbulence ou du moins qui comprennent que capable pour l'autre message, la police a pas accompagné nous, n'a pas arrêté la police pour les capable retirer mon ça dans sein nous pour nous même nous continuer faire travail que nous fixer tête non. Bon dress code, bon tenue vestimentaire. Justement, nous dit tout le monde a en laine noire en blanc. Ça veut dire que nous avons mis jeans ou pantalon, j'en voulais, mais ce n'est pas pantalon de gros couleur tout. C'est pantalon de couleur sombre, soit noir, bleu marin, petit jean bleu et kamitsu, mais en laine noire, nous tout nappe avec maillot blanc. Maintenant, quelle mobilisation nous faisons au niveau presse, à niveau corporation, pour que, n'est-ce pas, une forte présence de journalistes dans le moment ça, qui est capable de vous envoyer un message clair pour que lumière effectivement faite sur la disparition de Vladimir Le Gagnant. Nous voyons notre de presse dans tous les médias, mais cependant, nous avons une conférence qui a été faite pour annoncer toute disposition que nous prenons. Pour marche là qu'a fait demain si Dieu veut. Donc toute disposition ça yo même tout y a gagné pour yo conférence de presse là. Donc média yo pral couvrir li, donc toute population pral au courant de toute disposition qui prend à travers conférence qu'a ba jodi et qui pour dit mais qui ça demain si Dieu veut, mais à qui l'on a commencé, mais qui côté n'a commencé, mais par où non et mais qui ça, mais qui encadrement la police entend ban nous. Mais c'est qui consultation fait au niveau assemblée d'organisation de presse ensemble d'associations de journalistes pour que vous puissiez vous coller avec l'initiative là. Toute association de presse, que ce soit journaliste ou patron média, tout recevoir
et lettre qui pour dire mais qui ça n'a fait et que nous invité au tout. Donc mal malgré nous pas de faire ça, mais nous avons toute association de presse qui est en prend position, ni ni AMI, ni ANMH, ni association journaliste, tout le monde est en prend position pour dire que eh bien quoi fait au mal. Donc c'est dans ce sens ça tout nous-mêmes nous tout collaborer, nous tout faire. Et l'idée ça a fond seul pour nous dire au lieu que n'a fait notre sortie parce que notre là ou bien doit aller et puis il pas gain poids pour le gagner devant yeux ou bien dans oreilles autorité yo, nous dit bon on nous fait marche là pour nous sensibiliser autorité yo sur décision yo t'a supposé prendre pour porter lumière pour mener enquête pour qui sacrifier journaliste là, est-ce qu'il y a envie toujours, est-ce qu'il pas envie, une façon pour parents, pour amis, pour proches li capable gagner des informations clés pour nous dire bien soit n'a bien journaliste là soit non pas bien encore et que finalement mais qui décision à prendre pour monde qui coupable yo payer pour ça yo faire. Qui nouvelle nous gagne de Vladimir Le Gagnon entre temps, est-ce que dans démarche pas nous comme journaliste nous parle avec des autorités, nous parle avec la police, qui ça vous dit nous plus passer 10 jours depuis le pas rentrer la caille? Plus passer 10 jours c'est que dans autorité la police que nous parler yo fait comprendre que y a mené enquête. Mais on connaît la police, elle a mené enquête, li surtout pas les bail information tout autant que pour qu'on fin aboutir avec enquête la mené. Mais nous même nous tant de gens qui relè tout dans radio qui bay version que yo di autant des journalistes en ta mouri et que mais ça autant de mais jusqu'à présent nous considérer tout ça y a dit c'est sous base rumeur parce que faut bon instance concernée qui pour dit mais enquête moi t'ai mené à partir de nouvelles là que me t'ai recevoir ou bien à partir de plainte que me t'ai recevoir à telle date et que moi-même moi passé 4 jours, moi passé 5 jours m'a mené enquête. Donc à partir de enquête moi mené mais information que me joigne. Donc c'est une façon nous même pour ne pas arrêter pour n'a dit que nous penser, nous croire ou bien nous estimer tel bagaille capable fait. Donc c'est une raison qui fait nous même n'a tant de conclusion enquête autorité la police, enquête autorité la justice pour nous connaître exactement qui ça qui fait journaliste. Mais bon, madame se dit même jusqu'à présent pas aucun vraiment donné tout ça que t'as passé là, et même si tout ça qu'a dit dans la pression et même si tout ça qu'a dit là dans la rue en tout et semble pas aucune donnée fiable sur ce côté journaliste ça veut dire. Justement c'est normal pour pas gagner donnée fiable parce que n'a vivre dans un pays côté gagner chaque instance qui gagne responsabilité pa yo. Donc si chaque instance gagne responsabilité pa yo, nous même nous pas gagne responsabilité pour nous faire enquête. Nous gagne responsabilité pour nous sensibiliser autorité concernée autour de ça qui passait là. Donc on est là, nous obligés tant de la justice, nous obligés tant de la police pour dire non, mais vrai ça qui passait dans le dossier là. Et à ce moment-là, parents, famille, madame, ni a connaît qui décision, qui ça pour yo faire pour yo capable arriver à une justice dans le cas là. Alors, je suis qu'à faire tout. Même s'il a bien toute limitation qu'il y a par rapport à l'enquête policière là ou bien enquête judiciaire là, mais dans le cas ça c'est sûr que c'est la police avec la justice qui t'a donné déjà fait lumière et sur question. Alors pour demain ou dimanche là c'est de très tôt, on a démarré à 9h 10h on a démarré à 10h donc bon, à partir de 9h 9h30 on a rassemblé dans place constitution donc on a fait parcours pour nous arriver devant le ministère de la justice. Sorti devant le ministère de la justice, on a bien pour nous délivrer un message. Le n'a pas retourné, n'a fond campé devant le ministère communication. Donc devant le ministère de communication, on a prêté en silence. Nous capables au moins et faire un petit plein comme si nous avons dit pour nous montrer ministère de la justice comment ça fait nous mal. Ministère communication. Donc pour nous demander tout continuer à accompagner nous comme il fait notre sortie. Donc pour nous demander le support par aller dans ce sens tout. Ensuite nous prenons route descendre pour nous arriver devant Gilap et sortir devant Gilap nous arriver devant paquet de Port-au-Prince et c'est là nous fin délivrer message là et là nous fin délivrer message là et c'est là marche là fini côté tout journaliste yo même y a et chercher route pour retourner dans média côté. Alors demain matin et allez voir c'est voilà sur place constitution parce que c'est là le rassemblement rallié et pas quatre jours n'a pas quatre nommés puisque n'a pas en silence n'a pas marché en silence n'a pas quatre nommés nous qui a gagné des slogans la dernière côté n'a dit la police
la justice faut que paraît tête si on pas paraît tête c'est nous tous qui va disparaître. Je dis à c'est les gagnants demain si Dieu veut pas qu'on qui est la pied et nous perdu un pile journaliste dans cas ça. Jean-Dominique justement et mais date là moi Jean-Dominique va arriver là. Donc ça c'est justement donc ça veut dire si nous gagne en pile année n'a demandé la justice pour Jean l'a demandé justice pour Jean-Dominique ça veut dire quantité l'autre qui tombait encore donc justice pour que Jean capable briver sur yo donc faut que la police faut que la justice font un Jean pour yo capable bailler lumière pour yo bailler vrai ça qui passe là et pour yo prendre décision qu'il faut parce que nous pas non jeunes n'a vivre dans pays donc gain deux moments qui rive faut qu'on prend décision gain décision qui est impopulaire gain décision société a doit pas accepter mais cependant en tant que monde en tant que autorité qui dit a prôner état de droit yo veulent établir dans pays un état de droit donc gain décision pour prendre pour ça donc si peuple prend décision yo le ça bah elle a vienne contre même parfait et puis vous dites tout le monde qui a venu mais moi en sécurité dans lignée marche noire justement on monde qui senti que ça fait le mal il veut sensibiliser l'ensemble avec cause Vladimir là li ka vini mais la vienne participer li pa vienne partie prenante mais la vienne participer ensemble avec nous et gagne même comportement que nous gagnons et puis jusqu'à ce que nous finissions avec match là donc si lui même lui décide font l'autre bagaille donc on l'autre décision qui pour prendre contre lui même. Et nous alerter la police déjà, nous avons autorisation pour marcher demain. Oui, nous alerter la police déjà, nous avons autorisation pour marcher demain. Donc nous demander la police tout pour lui prendre décision qu'il faut pour lui bien accompagner nous, bien encadrer nous une façon pour pas gagner aucun petit dérapage puisque nous connaissons. Et en Haïti, n'importe si bagaille ou politisé li, ou du moins que moun nan a cherché intérêt personnel li la dani. Donc nous même nous pas nan intérêt personnel, nous voulons défendre une cause, donc une cause pour le gagner jodi a, qui c'est demain pour qui est nous pral défendre. Donc c'est dans lignée ça que nous même nous voulons rete, nous pas voulons aucun monde vienne penser que Jean-Paul Ladia vienne prendre d'assaut sur ça n'a rien pour nous faire. Parfait. Alors, vous dites la police est alertée, reçoit la notification et nous gagnons autorisation pour nous marcher mercredi dans la capitale là, la place Constitution, pour nous arriver parquet de Port-au-Prince sous Bicentenaire. Et le message de la classe est demandé pour que la lumière qui est faite sous disparition, confrère nous, Vladimir Le Gagneur. Après match là, qui sa prochaine étape pour allier? Bon, après match là, on a fait un petit temps de réaction à la justice ensemble avec la police pour nous voir comment bagaille pour aller. Donc, si toutefois, il y a une décision finale qui sortit, nous-mêmes, nous là, nous sommes capables toujours de temps en temps accompagner madame, demander comment elle sentit. Et puis, si toutefois, et bah, y aurait été biaisé toujours. Donc, nous avons continué à prendre décision, prendre initiative pour sensibiliser les autorités concernées. Anne-Marguerite Auguste, merci à Pile et on souhaite toute corporation pour te coller, pour permettre qu'effectivement il y a une lumière qui est faite sous disparition de Vladimir. La Prapé qui était la carte depuis 14 mars. Je suis allé faire un reportage dans le quartier Grandville, dans Port-au-Prince, et jusqu'à jeudi, il n'y a pas de nouvelles de lui. Merci à Pile, Anne-Marguerite Auguste. Merci, Déi. Voilà, deux invités dans la mise au point matin pour nous parler sous disparition confrère nous, Vladimir Le Gagneur. Dans le premier temps, nous parler avec Madame Ni, Fleurette Le Gagneur. Et dans le deuxième temps, c'est un membre et une plateforme qui est les médias Info Plus qui a paré pour organiser demain en marche dans l'idée pour demander lumière sous disparition confrère. Merci tout le monde qui est avec nous, soutenez avec nous en direct parce que vous passez une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.